Le prince de Galles était l'heureux propriétaire de cette grande maison de campagne jusqu'en 1993. Le domaine de Brumptmea, en Angleterre, ainsi que le parc national qui l'entoure appartiennent au duché de Cornouailles. Selon le représentant de l'agence immobilière Knight Frank Insider, la propriété est proposée à 4,95 millions de livres sterling. S'y est-il une propriété implantée sur plus de 3 hectares de terrain dans le parc national du Dartmoor. Selon sa liste de propriétés, cette grande maison édouardienne possède 6 chambres à coucher, 6 salles de bain et 7 salles de réception. Elle possède également une grange pour les fêtes. Le domaine a été construit en 1906 et est depuis la propriété du duché de Cornouailles. Le domaine finance les activités publiques, caritatives et privées du prince de Galles et de sa famille, reprend les colonnes d'Insider. Selon l'annonce, le domaine de 9,22 acres comprend deux cottages, des paddocks, des bois, une rive de la rivière Dart avec des droits de pêche et un accès direct à la lande. Selon Madame Le Figaro, s'y est-il un couple de Britanniques qui avait acheté la propriété au prince Charles il y a 27 ans. Le prince de Galles n'est donc plus le propriétaire. Ce n'est pas pour autant qu'il n'ait pas gardé un certain droit. Le prince Charles garde le droit de pêcher mais n'y est jamais revenu après la vente de la propriété. Le prince Charles a obtenu le droit de continuer à pêcher sur la rive de la propriété. Cependant, le prince Charles n'a pas le droit de venir à l'improviste. Selon le contrat, il doit prévenir 24 heures à l'avance, a déclaré le représentant de Knight Frank Insider. Bien que Son Altesse Royale ait le droit de pêcher sur la rive gauche de la propriété, il ne l'a jamais fait depuis la vente. Le fils aîné de la reine Elisabeth n'est pas retourné à Brumptmea depuis qu'il s'est né séparé, mais sa visite est toujours possible, déclare Madame Le Figaro. Loading Widget.